la croisée des chemins. Il nous faut faire un choix. Pas facile de dire non. Quand tout le monde dit oui, alors faut-il baisser les bras, abandonner le combat. Mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Oh oui, prends-le par la main, montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il s'en détourne pas. Qui fit le ciel et la terre, les astres et l'univers? Où allons-nous, d'où venons-nous? Y a-t-il un sens à la mort, à la vie, évolution ou création? C'est là autant de questions. Mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Parle-lui du prophète Daniel, parle-lui de l'enfant David, qu'il ait confiance en l'Éternel, qu'il ait le choix entre la mort et la vie. Oh, dis-lui que Dieu est amour et qu'il pardonne toujours. Oui, tu diras au tout petit le grand amour de Jésus-Christ. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qui doit suivre. Oh oui, prends-le par la main, montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qui doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé, toi le seul vrai Dieu et ton Fils, Jésus-Christ. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Oh oui, prends-le par la main, montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Sommes-là tous réunis devant toi, en ton nom, Seigneur. On reprend encore une fois.
En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Nous allons poursuivre au 108. Du chanton. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec Dieu. Nous allons poursuivre au 410. Qui sont ces gens au radieux visage dans le cantique Hymne et Louange? Qui sont ces gens au radieux visage? Que par delà les flots tumultueux, je vois la chantons le cantique nouveau, heureux qui par la voix remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois jadis sauveurs d'esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers. Les rois enfin de leurs entrailles, ils vont régner sur l'univers. Des palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Au jour mauvais, au jour solennel, pendant l'épreuve ou la tentation, alors, je vous invite à vous tenir debout et nous allons tourner le chanter. Oh.
navet pour les soldats, il est pour tous. Soldat pour le conflit, entends-tu la paix? Répondras-tu aussi avec dévouement? Seras-tu enrôlé comme un volontaire pour Jésus, de vrais soldats? D'autres sont enrôlés. Bonsoir. Inclinons-nous pour la prière. Ô Dieu Seigneur, toi qui es grand puissant, nous te remercions quand tu nous as fait passer une journée. Tu nous as permis d'être vivants et d'être là-bas, dans ta maison. Pardon pour toutes nos offenses, tout ce que nous avons pu faire en actant penser devant toi. Seigneur, fais-nous passer un bon moment. Je te prie pour le pasteur. Donne-lui l'évangile pour nous. Guide-nous, guide-le. Fais qu'on passe une bonne soirée au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Êtes-vous content d'être parmi nous? Oui. Êtes-vous content d'être là ce soir? Oui. Alors je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Sentez-vous à l'aise et passez un bon moment parmi nous. Je vous invite à avoir une oreille attentive à un morceau spécial. Alors Jade va nous interpréter « Venez le célébrer ». Thank you.
Alors, on se tient debout et on va chanter la première strophe du chantème. Un appel fait pour les soldats, il est pour tous. Soldats pour le conflit, entends-tu la paix? Répondras-tu aussi? Avec dévouement, seras-tu enrôlé comme un volontaire? Des volontaires pour Jésus, de vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine, nous n'aurons pas peur. Seras-tu enrôlé comme un volontaire? Bonsoir à tout un chacun. Vous semblez tout aussi heureux que moi d'être ici. Et je vois sur vos lèvres un large sourire. Je vois vos visages radieux. Alors je dis ça pour que ça puisse inciter certains à avoir un sourire sous les lèvres, un visage radieux. J'essaie de nous encourager pour que véritablement nous soyons heureux d'être dans la maison de l'Éternel. En tout cas, merci d'être là ce soir pour que nous puissions une nouvelle fois continuer à développer ces messages de la semaine de prière des jeunes. Mais ce sont des messages aussi qui parlent aussi aux aînés, aux adultes. Je vous rappelle que samedi matin, nous allons avoir une cérémonie de Sainte-Cène, un service de communion, et nous invitons tout un chacun à participer à ce service, parce que le service de communion est tout simplement une reconnaissance que Jésus est mort et qu'il revient très bientôt, et que lorsqu'il reviendra, nous ferons partie des rachetés. Donc, on ne peut pas rater cette invitation. C'est une invitation que Christ nous fait pour que nous puissions communier avec lui et communier les uns avec les autres. Vous vous rappelez notre thème? C'est quoi le thème de la semaine? Show up in, dans les villes. Show up dans les villes. Alors, le texte de ce soir se trouve dans 3 Jean 2, un texte que nous connaissons très bien. 3 Jean 2, vous connaissez très bien ce texte. Ouais. On peut le dire de mémoire, on peut le lire ensemble. 3 Jean chapitre 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, une nouvelle fois, tu nous permets de lire ta parole et de trouver le fondement dans ta parole de la vérité, et particulièrement en ce qui concerne le sujet de la santé. Et nous voulons te remercier d'ores et déjà pour ce que tu vas dire à tes enfants, afin que cela puisse nous conforter encore davantage dans l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Merci au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je me rappelle comme si c'était hier. Je venais de me faire baptiser. Je venais tout simplement d'accepter Jésus comme mon sauveur personnel. Et il y avait une sœur à l'église qui était frappée, qui a été touchée par un cancer, le cancer de l'utérus. Et je me rappelle que l'église dans sa totalité, ce samedi-là, nous avions décidé de jeûner et de prier pour que Dieu puisse guérir cette sœur, parce que nous l'aimions énormément. En fait, elle était la secrétaire d'église. Donc, c'était quelqu'un qui était impliqué dans l'église. Et nous avons jeûné, nous avons prié
alors qu'elle était alitée, elle était couchée, nous avons prié pour elle à l'église. Et après le jeûne et la prière, mes frères et mes sœurs, la sœur s'est relevée. Et on s'est tous dit, elle est guérie. Je vous rappelle que je suis jeune converti, et je me suis dit, alléluia, merci Seigneur. Mais 2 semaines après, la sœur est morte. Je me suis interrogé sur ce Dieu. Je me suis interrogé sur la question de la maladie. Je me suis interrogé sur la santé, chers amis. Il y a 2 choses qui sont ressorties de cette histoire plus tard que j'ai compris. C'est que Dieu est souverain. Je ne donne pas d'ordre à Dieu. Je fais des requêtes à Dieu. Et je laisse Dieu répondre tout simplement à ma requête. Ce n'est pas moi qui dis à Dieu ce qu'il doit faire, quand il doit le faire et comment il doit le faire. Mais simplement, la foi implique que j'accepte la volonté de Dieu. Amen. La foi implique que j'accepte la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, dans les villes, et peut-être pas seulement dans les villes, il y a des maladies qui courent. Il y a de plus en plus de maladies. Il y a des maladies qui nous surprennent. On se demande d'où sortent ces maladies. Eh bien, je vais vous donner la réponse en ce soir. Ces maladies sortent du péché. Ces maladies sortent du péché. Il n'y aurait pas eu de péché, personne ne tomberait malade. Il n'y aurait pas eu de péché, personne ne mourrait. C'est à cause du péché qu'il y a toutes ces maladies. Ce qui permet de dire en ce soir, il faut vraiment avoir ça à l'esprit, que la santé est une grâce de Dieu. Hello. La santé est une grâce de Dieu. Je connais des buveurs invétérés. Et vous vous dites comment ça se fait que ces personnes-là sont encore en vie alors qu'elles ne cessent de boire. Pas de cirrhose du foie, rien. On se pose la question. La vérité, chers amis, c'est que la santé est une grâce de Dieu. J'ai une amie en Martinique qui a été voir son médecin. Et le médecin de lui dit, mais madame, vous êtes une grande fumeuse. Mais elle dit, oh, mais je ne fume pas, je suis chrétien, je n'ai jamais fumé de ma vie. Et le médecin de lui dit, mais vos poumons sont touchés comme quelqu'un qui fume. Et elle a dû subir une opération très sérieuse. Pourtant, elle n'a jamais fumé. Dans les villes, dans le monde aujourd'hui, il y a la pollution de l'air. Il y a l'air qui est pollué. Et cet air qui est pollué, chers amis, nous touche nos poumons. Alors, vous allez me dire, mais pasteur, je mène la vie la plus saine possible. À moins que tu puisses purifier l'air autour de toi. Mais ce n'est pas le cas. Et surtout dans les villes. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais à Paris, j'avais du mal à respirer à cause de la pollution de l'air. Si vous vivez dans un environnement où l'air est pollué, chers amis, il faut s'attendre aussi à ce qui est des conséquences. Ce n'est pas l'air seulement qui est pollué, vous avez l'eau qui est polluée. Ça m'a fait tellement sourire dernièrement, alors qu'on boit de l'eau en bouteille et on pense que c'est de l'eau de source et d'entendre que c'est de l'eau qui a été... Non, pas seulement de l'eau du... Oui, l'eau du robinet. Mais c'est de l'eau qui a été, comment on dit cela encore, filtrée. Et je cherchais l'autre terme, filtrée, mais on va garder filtrée pour l'instant. De l'eau qui a été filtrée, d'accord,
alors que c'est censé être de l'eau de source. Chers amis, on nous trompe. Hello? Nous sommes trompés. J'aimerais vous dire autre chose, mais nous sommes trompés. Ces tromperies viennent au fait que l'homme est animé tout simplement par le gain, par l'argent. Donc on se soucie pas de toi. Je vous fais grâce de la pollution sonore. Si vous habitez dans un immeuble où il y a souvent de la musique, chers amis, boum, 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 il faut s'attendre aussi à ce que vos tympans, vos oreilles souffrent. Vous voyez, dans les villes, c'est pour cela que nous sommes invités en tant que jeunes, en tant qu'église, à aller dans les villes pour apporter un message de santé, un message de salut. Alors, ça me permet de dire aussi que, on en a parlé dernièrement, dans les villes, il y a l'anxiété, il y a le stress. Vous vous rendez compte, quand vous allez en Île-de-France, je regarde, hein, c'est boulot, transport, dodo. Boulot, transport. Tout le monde est en train de courir pour aller prendre le train. Tout le monde est en train de courir pour aller prendre le bus. On va dire encore heureux, eux, ils ont des bus. Parce que certaines fois, il n'y a pas de bus. On ne voit pas de bus ici. Mais ça, c'est une autre histoire, d'accord? On est toujours en train de courir. On est stressé. Et vous savez que le stress, d'accord? Le stress, ce n'est pas toujours bon pour nous. Et en réalité, chers amis, écoutez-moi attentivement. En réalité, beaucoup de maladies sont associées au stress. On raconte l'histoire de deux hommes qui ont été voir le médecin. Le médecin dit à l'un, tu as le cancer. Et à l'autre, il dit que tu n'as pas le cancer. Histoire vraie, hein? Il dit à l'un, tu as le cancer, tu es malade. L'autre, il dit à l'autre, tu n'as pas le cancer. Alors qu'il s'était trompé sur le diagnostic, celui qui avait le cancer a commencé à avoir des pensées noires, des pensées négatives, etc. L'autre qui en réalité avait le cancer, mais il s'est dit qu'il n'a pas le cancer, donc il avait un esprit joyeux, il a mené sa vie, etc. À la longue, on s'est rendu compte que celui qui n'avait pas le cancer est tombé malade parce qu'il s'est stressé à mort. Stressé à mort. Ça me permet de dire quelque chose que je n'ai pas dit hier soir et que je vais rectifier. Pour ceux qui se disent, puisque vous rappelez la réponse qu'on donnait à la dépression, c'est la parole de Dieu, les promesses, la prière, c'est l'Église. Mais aussi, c'est d'aller voir aussi des personnes compétentes, des professionnels par rapport à la dépression. Certains se disent, moi, je ne vais pas avoir aucun professionnel, je suis fort en Jésus. Je n'ai pas besoin, d'accord? Mais laissez-moi vous dire une chose. Jésus, lorsqu'il était sous la montagne de transfiguration, Jésus a eu besoin d'aide. Vous savez ça? Dieu lui a envoyé, qui est-ce? Moïse et Élie, pour l'encourager. Alors, si vous êtes plus grand que Jésus, vous n'avez pas besoin d'aide. Si vous êtes supérieur, plus fort que Jésus, vous n'avez pas besoin d'aide. Mais si vous êtes, je dis ça tout petit, faible comme pasteur Bivouac, vous avez besoin d'aide. Moi, je ne suis pas fort. Hein? Je ne suis pas fort du tout. Je suis un faible pécheur sauvé par grâce qui compte sur Jésus-Christ et qui accepte tout simplement de choisir la voie du Seigneur et aussi de pouvoir aller vers les personnes qui ont des compétences aussi pour m'aider. Ça va? Un des problèmes que nous avons particulièrement dans les villes, c'est la vie sédentaire. Il y a deux choses qui nous tuent particulièrement, on dira trois, mais je reviendrai là-dessus, c'est le stress et la vie sédentaire. On ne bouge pas suffisamment. On ne bouge pas suffisamment. Et je suis bien placé pour vous le dire. Moi, je m'assois derrière le bureau et toute la journée, c'est réunion, c'est répondre au téléphone, c'est taper, etc.
nous avons besoin de bouger un peu. On a besoin de bouger un peu. Ah ouais, on a vraiment besoin de bouger. Hein? Si on bouge un peu plus. Alors, les médecins disent aujourd'hui, écoutez-moi attentivement. Les médecins disent aujourd'hui aux personnes qui sont diabétiques, aux personnes qui sont hyper tendues, que le sport, l'exercice, est plus profitable que les médicaments. Il faut prendre les médicaments, il n'y a pas de souci. Tu prends ton médicament. Mais si tu fais du sport, si tu fais de l'exercice, si tu bouges un peu, ce te sera plus profitable que tous les médicaments que tu prends. D'accord? Bien. Ceci étant dit, on a fait une entrée en matière. Maintenant, nous allons voir les éléments qui normalement devraient favoriser une bonne santé. Et je vais vous apprendre, pour ceux qui ne le connaissent pas, cet acronyme, mais un acronyme qui vaut la peine d'être connu, cet acronyme, c'est En Forme. Quel acronyme j'ai dit? En Forme. En Forme. On va voir comment on peut être en forme. Alors, je vais demander à 7 éclaireurs, ou 8 éclaireurs, je crois, de venir jusqu'ici. 8 éclaireurs de venir jusqu'ici. Éclaireur ou aventurier. Et nous allons faire la démonstration ensemble. D'accord? OK, très bien. Alors, OK, mes trois, restez par ici. On va se mettre par ici. On va se mettre par ici, d'accord. Vous regardez là. D'accord. Bien, la première chose que nous allons faire, OK, il y a, non, viens, ne pars pas, je vais donner quelque chose. Viens. Non, vous restez en bas, les enfants. Restez en bas, je vais vous donner quelque chose. Pendant qu'on va faire cela, tu vas accrocher une étoile sur chaque personne et tu diras à la personne, avec ce que nous allons faire, elle doit mettre en pratique en forme, d'accord? Tu donnes une étoile pendant qu'on fait la démonstration. Tu passes voir chaque personne, tu donnes une étoile, tu colles sur cette personne, d'accord? Vas-y. Alors, les enfants, alors peut-être on va monter celui-là. Alors, vous allez monter peut-être, les enfants, venez. Pas les enfants, les adultes, les enfants qui sont là, venez par ici. D'accord, voilà, très bien. OK, on va garder les enfants par ici. Très bien. OK, mets-toi par là. À tout le monde qu'il faut donner, à tout le monde. Mais il faut que la personne te dise, je vais rester en forme, d'accord? OK. Alors, pour en forme, pour le E de en forme, le premier E de en forme, c'est qu'il faut boire de l'eau. Tiens, la bouteille d'eau. Il faut boire de l'eau. Si vous décidez de rester en forme, s'il vous plaît, arrêtez les jus. Hello? Arrêtez les jus sucrés. Qu'est-ce qu'il faut boire? De l'eau. Et c'est de l'eau qu'il faut boire. Si vous buvez du jus, faites votre jus vous-même. D'accord? Si vous buvez du jus, faites vos jus. Arrêtez les jus industriels. Ça va vous rendre malade. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut boire? Qu'est-ce qu'il faut boire? De l'eau qu'il faut boire. OK? Est-ce qu'on est d'accord? Hello? Est-ce qu'on est d'accord? Si vous acceptez la petite étoile, c'est que vous allez arrêter le jus. Vous allez arrêter le jus industriel. Ça nous tue, le jus industriel. On va le voir tout à l'heure. Ça nous tue. Il faut arrêter le jus industriel. Et quand je dis jus industriel, permettez-moi de vous dire que les jus locaux sont plus sucrés certaines fois que les jus qui sont importés. OK? Faites votre jus vous-même et ne mettez pas du sucre. D'accord. Bien. OK. Donc, c'est de l'eau. Première chose qu'il faut, c'est de l'eau. Reste là avec de l'eau. OK? Ensuite, on a dit en forme. Le prochain N, c'est quoi, selon vous? N, c'est quoi? La nutrition, ce qu'on mange. Waouh, je vais vous donner ce qu'on mange. Tiens, des biscuits. Tiens,
c'est avec du jus. Voilà les deux, nutrition, du jus. D'accord? Et... Non, non, non. Attends, ramasse-moi, s'il te plaît. Tiens. Tiens une pomme. Et tiens une tomate. Quel est le problème dans ce que je leur ai donné? Il y a du jus. Et il y a du jus et quoi? Et des biscuits. Vous savez que les Chinois se disent que nous, les Occidentaux, nous avons un problème. Vous savez pourquoi? Parce que nous mangeons beaucoup de féculents, d'accord? Et très peu de salade. Vous avez une petite salade, une petite entrée, vous avez le féculent et vous avez la viande, etc. Vous avez du sucre aussi avec le dessert. C'est un très mauvais repas. Combien de fruits et de légumes qu'on doit manger par jour? 5 fruits et légumes. Ouais, mais je peux arrêter de prêcher. 5 fruits et légumes. Et arrêter avec le jus. Vous savez combien de sucre qu'on doit prendre par jour? Maximum, c'est 100 grammes. Si vous buvez tout cela, vous avez déjà 70 grammes de sucre. Vous vous rendez compte? 70 grammes. Comment tu veux pas? Quant aux gens qui prennent du soda, quant aux gens qui prennent du Coca-Cola, je vous annonce que vous allez tomber malade, sûr et certain. D'accord? Tiens ton jus. D'accord? Le jus. OK. Donc, on a dit nutrition. Le F, pour, selon vous, ce serait quoi le F? F serait quoi? Non, non. La quoi? La foi. La foi, cela tient la foi. Tiens, la Bible. Pour qu'on puisse lire la Bible tous les... Comme chez toi, d'accord? Très bien, c'est bien. C'est qui ta maman et ton papa? Ils sont où? C'est ta maman, d'accord. C'est bien. Permettez-moi de vous dire, on en a parlé hier soir, la Bible contient des promesses. Plus on a fait l'expérience, plus tu lis ta Bible et plus tu l'appropries, plus tu as meilleure santé. Je vais reprendre cela. Quand tu lis la Bible, quand tu l'étudies, quand tu t'appropries la parole de Dieu, tu seras en meilleure santé. Et ta foi va grandir. D'accord? Ta foi va grandir. OK? Où est la Bible? Alors, ne laissez pas la Bible fermée sur l'étagère. Hein? Il faut l'ouvrir, la Bible. Ouvre la Bible pour nous. Attends, ouvre la Bible pour nous. Voilà, ouvre la Bible pour nous. Voilà, il faut l'ouvrir et il faut l'étudier. Tu sais déjà lire, non? Pas encore? Pas encore. D'accord, très bien. Donc, il faut avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de là. Parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Donc, le E, c'est quoi? Le E, c'est quoi? De l'eau. Laisse-moi monter de l'eau. Monte l'eau. Voilà. C'est ce qu'on doit boire. Le N, c'est la nutrition. La nutrition. Le F, c'est quoi? La foi. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. La foi. OK? Alors, on a dit en forme. Le O sera quoi? L'oxygène. Il faut respirer le matin très tôt, aller en nature pour respirer. Ne respirez pas l'air de la ville seulement, respirez l'air, et ça fait du bien à plein poumon. Donc, on a l'eau, on a la nutrition, on a la foi, et on a l'oxygène, d'accord? Respire, viens par ici. Respire pour nous. Vas-y. Allez, respire. Sa respiration n'est pas forte, c'est pour ça. Sa respiration n'est pas forte. Merci. D'accord, merci à vous. D'accord. Ensuite, on est bouché, d'accord. Ensuite, donc, on a vu l'oxygène. Après l'oxygène, il y a R. Le R, pourquoi? Repos. Combien d'heures nous devons dormir par jour? 7 à 8 heures. 7 à 8 heures pour les adultes et pour les enfants et les jeunes. 10 heures. Et pour les bébés, à peu près 15 heures, OK? 10 heures. Donc, et à partir de quelle heure on doit se retrouver au lit? 22h30 au plus tard, c'est bon. On doit se retrouver au lit pour qu'on puisse avoir un bon repos. Et laissez-moi vous dire,
un tiers de notre vie se fait dans le sommeil. Un tiers de ta vie, c'est le sommeil. Donc, il ne faut pas rater ça. Parce que le sommeil permet de se régénérer. D'accord? Le sommeil permet de se revigorer, de prendre des forces sur le plan physique et sur le plan intellectuel. D'accord? Très bien. Donc, on a parlé. Le premier E, c'est quoi? O. Le N, c'est quoi? Nutrition. Le F, c'est quoi? Le O, c'est quoi? Le R, c'est quoi? Et dans le repos, il y a le repos du sabbat. Le repos du sabbat est un anti-stress pour nous permettre, quand on entre dans le sabbat, on pense plus aux problèmes, aux difficultés, et on pense simplement au Seigneur Jésus qui résout tous les problèmes. D'accord? Tout le monde a reçu? D'accord. D'accord, merci. On va donner aux enfants. On va vous donner tout à l'heure, les enfants. Attendez, d'accord? Donc, on a fait... Où est-ce qu'on était? On était au repos? OK? En forme? Le M, ce sera quoi? Le M sera quoi, selon vous? Le M, c'est quoi? Maîtrise de soi. Alors, on va faire une expérience avec les enfants. On va faire une expérience avec les enfants. Ça, c'est des jouets. Oui, des jouets. Voilà, il y a des voitures. Il y a des voitures dans cela, d'accord? Ah non, non, attendez. Okay? Il y a des voitures dans cela. Est-ce que vous voulez avoir toutes les voitures ou bien une seule voiture? Une seule. Tu veux une seule voiture? Moi, je veux deux. Toi, tu veux deux. Toi, tu veux combien? Moi, je veux trois. Tu veux trois, d'accord. Oui, mais c'est ça dans notre vie aussi. On veut moi, tout. Tu veux un seul aussi, d'accord, très bien. Tu veux deux, d'accord. Mais laissez-moi vous dire une chose. Nous devons apprendre à nous maîtriser. Certaines fois, même les bonnes choses, on veut en prendre beaucoup, on veut prendre à satiété, il faut qu'on apprenne à se maîtriser. Donc, ce n'est pas vouloir tout en même temps, d'accord? Et même avec Dieu, on dit, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Ou encore, lorsqu'on se trouve dans une certaine situation particulière, on a du mal à se maîtriser. Certaines fois, on est à table, comme moi, sabbat dernier, la tarte était tellement bonne. J'ai pris tarte encore. Et après, je me suis dit, non, là, il faut te maîtriser, Jacques, d'accord? Même si la tarte est bonne. Vous savez, lorsqu'on apprend à se maîtriser, d'accord, ça nous permet de pouvoir faire face aux choses avec beaucoup plus de sérénité. Parce qu'on a appris à se maîtriser. Et il faut qu'on apprenne aussi les enfants à se maîtriser. Vous avez certaines fois, parce que l'enfant a demandé, on lui donne non. Et un psychologue disait que les enfants doivent aussi faire face à la frustration. Ils doivent apprendre aussi à être frustrés aussi, pour qu'ils ne se disent pas, tout ce que je veux, j'aurai. Et vous avez des gens qui grandissent en tant qu'adultes et qu'ils pensent, parce que j'ai dit, parce que j'ai parlé, parce que je veux, ça doit se faire. Eh bien, non. Ben non, il faut apprendre à se maîtriser. Les enfants sont virés tout à l'heure pour la voiture. D'accord? Attendez. Bien, donc on a la maîtrise de soi. OK? Donc, on a le premier E, c'est quoi? L'eau. Ensuite? La foi, F, la foi. Ensuite, le O. L'oxygène, le R. Repos, le M. Et le deuxième E, l'exercice. Bien, l'exercice. Combien de personnes font de l'exercice au moins trois fois par semaine? Laissez-moi voir les mains. Trois fois par semaine. Oui. Pas vrai. Trois fois par semaine. Et les autres? Oula! Oula là! Bien, les enfants. Regardez les mains, je reprends ça dans vos mains, attendez. Regardez les mains qui ne sont pas levées, d'accord? Et allez vers cette personne et faites-la faire un peu d'exercice. Faites-la lever ses mains. Allez les enfants, regardez les mains qui ne sont pas levées, allez rapidement. Et allez vers ces personnes et levez sa main. Un, deux, allez-y les enfants. Un, deux, les enfants. OK, voilà, un, deux.
Alors, écoutez ce que je vais vous dire. Vous priez tous les jours. Hello. Vous priez tous les jours. L'exercice est tout aussi important que la prière. Je vais reprendre cela. L'exercice physique est tout aussi important que la prière. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire, devenir comme, comment il s'appelle, le footballeur, j'ai oublié son nom, et Messi ou encore Mbappé, vous cherchez Mbappé. Autour de chez vous, marchez pendant 20-30 minutes, d'accord? Marchez. Ce n'est pas bon de ne pas faire du sport. Vous avez, si certains d'entre vous, vous avez des rhumatismes, vous avez des douleurs, faites du sport, marchez, ça fait du bien. Rappelez-vous que le sport est certaines fois mieux que les médicaments qu'on nous donne. D'accord? Je suis triste. Pas parce que vous ne priez pas, mais parce que vous ne faites pas de sport. Et si on ne fait pas de sport, les muscles vont s'atrophier, les articulations, si on a des problèmes d'articulation, il faut faire du sport. D'accord? Alors, quels sont ceux, attendez, quels sont ceux qui vont mettre en place un programme de sport au moins 3 fois par semaine, au moins marcher autour de la maison? Hello? Autour de la maison. Eh, monsieur, oh là là. D'accord. Les enfants, vous pouvez vous aller vous asseoir. Allez vous asseoir. Bravo. Très bien. Wow. Faut du sport, madame, oui? Oui, d'accord. Bougez un peu, d'accord. Très bien. Très, très bien. Ce n'est pas seulement la prière, mais l'exercice physique est important aussi pour qu'on soit en bonne santé. OK? Pour qu'on soit en bonne santé. Donc, on reprend. Le premier E, c'est quoi? Ensuite? Nutrition. Ensuite? Foie. Ensuite? Oxygène. Ensuite? 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 Et le dernier S, c'est quoi? Le S. Non, le repos fait partie du sabbat. Le soleil. Il faut aller, il faut prendre du soleil. Il faut marcher au soleil. N'allez pas marcher au soleil de midi, surtout pas, d'accord, parce que ça va vous... Mais il faut aller au soleil. La vitamine D, une carence en vitamine D peut causer pas mal de problèmes. Donc Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Pourquoi Dieu veut que nous soyons en bonne santé selon vous? Pourquoi? Pour prospérer, d'accord. Pour prospérer, encore. Pour servir Dieu, d'accord, encore. Pour prospérer, pour servir Dieu, encore. Comment? Pour la longévité, pour vivre longtemps, d'accord, longévité. Pourquoi, encore? Pour accomplir la mission. Mais vous savez que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hello, hello, et que nous avons été rachetés à un grand prix, ce qui veut dire, tu n'as pas le droit de manger n'importe quoi. Hello, hello. Tu n'as pas le droit de boire n'importe quoi. Hello, parce que ton corps ne t'appartient plus. Tu as été racheté à un grand prix. Le fait de ta bonne santé a coûté la vie de Jésus. Ça a coûté la vie de Jésus. Donc, nous sommes tous le temple du Saint-Esprit. Donc, avant de manger, avant de boire, dites-vous, est-ce que ça va faire du bien au corps, à mon temple? Parce que lorsqu'on parle de temple, et c'est important, on parle de temple, pourquoi on parle de temple? Qu'est-ce qu'on fait dans un temple? On adore. Amen. On adore. Dans un temple, on adore.
j'adore. Donc, avec mon corps, j'adore Dieu. Et ce que je mets dans mon corps, ce que je fais avec mon corps, dit si véritablement j'adore Dieu. Hello. Hello. Ça va? Dites à la personne qui est à côté de vous. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut que je prospère et que je sois en bonne santé. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et Dieu veut que je prospère à tous égards. OK? C'est intéressant parce que je me rends compte que on a pensé qu'on était le temple du Saint-Esprit pour ne pas manger simplement des aliments impurs, seulement des aliments impurs. Mais vous savez, l'excès nuit en tout. Et on ne peut pas, en tant que chrétien, on ne peut pas continuer à boire du jus hyper sucré, sachant pertinemment que ce n'est pas bon pour notre corps. Je dois boire de l'eau. Je dois manger des fruits et des légumes. Je dois faire de l'exercice. Je dois apprendre à me maîtriser. Je dois apprendre à me reposer aussi. Vous avez des gens qui veulent travailler matin, midi et soir. Je dis ça parce que c'est comme ça que j'étais. Me réveiller tôt pour travailler et aller me coucher tard. Le Seigneur m'a dit non, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Quand il est 21h, je ne travaille plus. Je peux avoir 10 000 choses à faire. 21h, je ne travaille plus. C'est fini. Parce qu'on a besoin de se reposer et de se ressourcer. Et c'est valable pour les étudiants aussi. Hein? Parce que pour un étudiant, on pense qu'on doit faire nuit blanche, nuit. Le sommeil régénère votre système cognitif, le système avec lequel vous étudiez, vous apprenez. Prenons le temps pour notre corps, pour que nous puissions avoir déjà, on est d'accord, déjà, nous avons un corps qui est faible, parce que c'est un corps de péché, on est d'accord? C'est un corps de péché. Si on continue à le maltraiter, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? On sera malade. On va demander à l'église de prier pour nous. Alors, avant d'arriver là, prenons de bonnes habitudes. Parce que nous voulons être en bonne santé. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Et pour terminer, nous devons laisser un exemple aux autres. Vous vous rendez compte? Moi, quand je vais certaines fois, je ne vais pas vous dire où, parce que vous n'allez pas en croire vos yeux. Quand je vais certaines fois à certains endroits où il y a une rencontre d'église et que je vois certains leaders de l'église prendre du Coca-Cola devant les autres, je me dis, mais non. Non seulement tu détruis ton corps et tu donnes un mauvais exemple. Laissez-moi vous dire, le footballeur Benzema, vous savez, il a dit qu'il avait un régime spécial. Quand ses amis allaient boire, il ne buvait pas. Quand ses amis buvaient des boissons gazéifiées, il ne buvait pas. Parce qu'il savait que s'il voulait avoir un corps performant physiquement et mentalement pour le foot, il devait arrêter certaines choses. Tu veux être performant pour Dieu? Tu veux avoir tout ton dynamisme pour Dieu? Prenons de bonnes habitudes. Prenons de bonnes habitudes. Mangeons des fruits et des légumes. D'accord? Quand je veux venir manger samedi chez vous, donnez-moi des fruits et des légumes. Amen. Mais pas seulement des fruits et des légumes. D'accord? Il faut que le repas soit équilibré.
Il faut que le repas soit équilibré, pas seulement des fruits et des légumes. OK? Nous, en tant que chrétiens, nous devons donner l'exemple. Alors maintenant, j'aimerais vous inviter à prier, mais personnellement, dans votre cœur, et demander à Dieu de nous donner la victoire sur ces choses qui détruisent notre santé et de faire de nous des exemples pour la santé, pour que les autres puissent voir qu'il y a une autre manière de vivre, qu'il y a une autre manière de vivre sainement. Donc, je vous invite maintenant à faire des prières silencieuses dans votre cœur pour que Dieu puisse nous donner la victoire sur les choses qui détruisent notre santé. Jésus, de vrais soldats, d'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine, nous n'aurons pas peur, seras-tu enrôlé comme un volontaire? Oui, éternel notre Dieu, nous voulons être volontaires de la santé, nous voulons prendre soin de notre santé. Nous voulons appliquer les principes de santé comme le temple du Saint-Esprit. Les villes, ceux qui sont autour de nous, s'interrogent sur la question de la santé. Et lorsqu'ils nous verront, ils verront comment nous vivons sainement, ils auront aussi envie de faire de même. Et nous leur dirons que l'Éternel les aime par-dessus tout. C'est pour cela qu'il nous a inculqué, donné ses principes. Que tu bénisses chacun d'entre nous en ce soir,
Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Alors, bon, elle est responsable de vous donner les raisins et les pommes que j'ai apportées aux enfants et aussi les voitures. C'est toi qui as la responsabilité puisque c'est le soir des éclairs apparemment, c'est ça? D'accord, très bien. Je te remets. Voilà. Et je te donne les trois voitures. Tu décideras à qui tu donneras. Ceux qui ont les raisins n'auront pas les voitures, bien entendu. D'accord, très bien. Ok, bonne soirée à tous et que Dieu vous garde et vous bénisse. Écoute, Seigneur, reçois nos...